Nebuchadnezzar. Voilà. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Dieu, Zambé, il a pris Azuaki, Abraham, Abraham, il a pris Isaac, Azuisaka, il a pris Jacob, Jacobo, et il a pris Azuaki, Joseph. Josepha. Qui prend la foi, qui prend l'amour, il prend la grâce, il prend la perfection. Mais regardez, monsieur le diable. Regardez, monsieur le diable. Lui, il est allé prendre quoi? Il a pris l'or, il a pris l'argent, il a pris les reins, il a pris les fers. Et vers les bas là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? On appelle ça macarabousia. C'est n'importe quoi. Fondement, c'est 4. Lui, il a ajouté 5. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la statue de Nebuchadnezzar. Dans Marque de la Bête. Paragraphe 154. Lui, il dormait un jour. Maintenant, Dieu est venu lui montrer. Lui montrer toutes ses réalisations. Ce qu'il faisait, sa cité, la civilisation, toute la civilisation de Satan, représentée dans un songe auprès de Nebuchadnezzar. C'est alors qu'il va voir cette statue-là que nous avons vue, qui a la tête en or, les thorax et les bras en argent, les ventres et les cuisses en airain. Les pieds en fer. Et là-bas, les orteils et tout ça en fer et plus argile. Remettez le tableau, s'il vous plaît. Les prophètes disent ceci. Les prophètes disent ceci. Il dit, tout croyant orthodoxe, c'est que le règne des nations a commencé avec roi Nebuchadnezzar. C'était la tête d'or, ce qui était Babylone. Et puis il y a eu le Médès, et puis il y a eu l'Empire grec, et puis il y a eu l'Empire romain, et puis il y a eu quelque chose qui est venu après. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes avec moi? Lui, yeah, au lieu d'attendre Zela, et d'être enseigné par Dieu Zambé, pour commencer une réalisation, Mosala, il est parti lui-même. Alors, Gongo, au lieu de prendre la foi, il prend l'or. Les diables, Zabulu, il aime toujours des choses qui sont très frappantes. Tout ce qu'il avait d'important, là, il a pris ça. Il a commencé par là. Un royaume plus important. Les prophètes disent que vous allez remarquer qu'il est en train de descendre. Il descend du plus dur jusqu'au plus fragile. L'or est un peu dur. Ensuite, l'argent. Ensuite les reins. Le royaume de diable n'est pas solide. Il évolue en se fragilisant. Ça m'étonne. Il y a des gens qui disent, hein, ah non, moi je suis venu dans le monde ici pour souffrir. Ça, je vais seulement prendre la magie. Comme ça, je vais régner même pendant 3 ans. Et puis je vais aussi vivre. Erreur. Libunga. Erreur. Ezali libunga. Erreur. Libunga. Le diable, Zabulu, il peut vous donner rapidement noki, et récupérer promptement. Azwa, noki, noki, pe, maintenant, lui, il a commencé à construire. Yabana, sans plan. Zanga mwango. Alors, remarquez sa ville. Botala, bomo on a bien illustré la statue là-bas. Ba, pour vous montrer que ça montre toutes les civilisations. Le monde que le diable avait montré à Jésus. Si tu veux que je te donne tout ce monde, adore-moi. Jésus a dit, je ne peux pas adorer la statue. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand il s'était projeté dans Daniel, quand on lui a demandé d'adorer la statue, il avait refusé. Parce que quand il s'était projeté dans Shadrach, Meshach et Abednego, quand on leur a demandé d'adorer la statue, ils avaient refusé. Tout cela montrait tout simplement l'œuvre que Jésus doit accomplir.
Maintenant, vous comprenez? Jésus s'était représenté dans Shadrach, Meshach, Abednego. Comme un chrétien qui doit supporter l'épreuve. Comme un chrétien qui ne doit pas adorer le monde. Jésus s'était projeté dans Daniel. Comme un chrétien qui ne doit pas être idolâtre. Nous sommes là-dedans. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez cela? Jésus s'est projeté même en Branham. Comme un chrétien qui doit retourner à la foi originale. Est-ce que vous comprenez cela? Ce que nous avions besoin, c'est de voir Jésus au travers de Branham. Mais ce n'est pas Branham. Est-ce que vous comprenez cela? Oui, Dieu l'a utilisé. Mais Branham disait toujours, est-ce que vous remarquez? Est-ce que vous pouvez le voir? Il vous demandait de voir qui? De le voir lui, Branham? Non! Il vous demandait de voir le Seigneur Jésus-Christ qui travaillait au travers de lui. Alors, tous les gens qui ont eu un bon regard, ils ont vu Jésus au travers de Branham. Est-ce que vous comprenez? Mais les gens qui n'ont pas eu un bon regard, ils se sont arrêtés à Branham. Et ils se sont limités à adorer Branham. Le règne n'est pas le règne d'un homme. C'est le règne du Seigneur Jésus-Christ. Comme il a envoyé les prophètes, il continue à envoyer ses serviteurs jusque dans le Nouveau Testament. N'arrêtez pas Dieu avec Branham. Dieu continue à travailler avec ses merveilleux auxiliaires. Vous voyez la construction du dam. Maintenant, qu'est-ce qui vient ensuite? Il dit, Jésus-Christ était la pierre qui s'est détachée de la montagne sans les secours d'aucune main, qui est arrivé en roulant, qui a fracassé la statue. Alléluia. Amen. Vous avez remarqué? Satan, quand il a commencé à construire sa civilisation, regardez la pierre. Vous voyez la pierre? Ce n'était pas n'importe quelle pierre. Non. C'est la colonne de feu. Pierre, colonne de feu. Pierre, colonne de feu. Qui descend pour frapper la statue. Remarquez, cette statue-là, quand le diable a commencé à construire, il était toujours en train de construire. Gardez ça comme ça. Il est en train de construire. Et puis, comme moi maintenant, je peux toujours continuer à prêcher. Mais mon temps est en train de partir. Je serai obligé d'arrêter. Le diable ne savait pas que son temps est limité. Il a commencé à construire. Maintenant, quand il a placé les fers, Atali na tableau ya Marco Arcuna, Bakomi etikali sikoyo kaka 5 minutes ya comment on appelle ça? De récupération. Ya kuzesu diable Atali à gauche à droite. Alu ka faire zoko ko zoferte. Alo kotika mabela bambina makolo. Est-ce que vous comprenez cela? Mais ça ça liango. Azwa ki déjà mon boulou kizunguzung. Mais le Seigneur risque maintenant de venir. Je n'ai pas encore terminé. Alors il prend la terre. Il met là-bas. Il prend la terre. Jésus-Christ était déjà là-bas. Vous vous rappelez? Comme les gens étaient au cimetière là-bas. Il était en train de troubler quelqu'un. Mais Jésus est venu. Quand Jésus est venu, les gens commencent à dire, oh non, fils de Dieu, laissez-nous encore un peu de temps. Le temps n'est pas encore fini. Jésus dit quoi? Est-ce que c'est toi qui donne le temps? C'est moi qui donne le temps. Oh non, j'ai compris maintenant. Ordonnez seulement qu'il y ait un dans ce bourson. La pierre est venue. Jésus a fixé seulement au bon endroit. Ça a frappé les orteils d'argile. Et la colonne de feu a poursuivi toute la statue. Elle a pulvérisé la statue entière. Pour vous dire que toute œuvre de l'homme doit être démolie et anéantie. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais remarquez maintenant.
Les enfants de Dieu, ils ont une histoire. Regardez dans la 70e semaine de Daniel. Le prophète dit ceci, au paragraphe 119. Il dit la prochaine chose qui doit venir, la prochaine chose qui doit arriver, c'est l'avenir du royaume de Dieu, l'avenir de Christ. Comment? Vous allez remarquer que la pierre qui est venue, elle n'a pas seulement pulvérisé, mais la Bible dit, elle a maintenant rempli toute la terre. Elle est devenue une grande montagne. Vous comprenez cela? Alors Daniel dit, c'est ça l'espoir que nous avons. C'est ça notre espoir. Daniel, il avait eu la vision montrant que les jours de son peuple seraient terminés. Et pour un certain temps, il a vu maintenant entrer les jours des nations. Est-ce que vous comprenez cela? Mais, une question se pose. Dieu dit dans l'invention des États-Unis, paragraphe 204, car chaque royaume sera brisé, mais le royaume de Jésus-Christ subsistera et régnera à jamais. De quoi la terre devrait-elle être remplie? Dans Psaume 80, 8 à 9, le prophète dit ceci, la Bible dit ceci, tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as fait place devant elle. Elle a jeté de racines et rempli la terre. Alléluia. Amen. Mais dans la demeure future, nous allons voir de quoi la terre est remplie. Paragraphe 466. Il dit, Adam devait multiplier et remplir la terre. C'est pas vrai? C'est ce que Dieu lui avait dit. Soyez féconds et multipliez. C'est pas la vérité? Noé devait, après que le nouveau monde avait été détruit, multiplier et remplir la terre. Vous saisissez cela? Maintenant, ne voyez-vous pas ce qu'est la semence du serpent? Qu'est-ce qui a rempli la terre? Le prophète dit, c'est pour ça que la mort a régné sur la terre depuis. Pourquoi? Parce que Satan est arrivé là, en premier. C'est pas ça? Satan est arrivé en premier. Et nous avons eu Caïn. Et Abel est venu par la suite. Et comme il voyait qu'Abel voulait commencer à progresser, Caïn tape Abel. Caïn a bêté Abel. Vous êtes avec moi? Il tue Abel. Et Caïn s'enfuit vers le pays de Nod. Et il commence sa civilisation là-bas. Ici, Adam et Ève ont pris du retard. Le temps de mettre au monde, c'était le temps que Seth grandit. Caïn avait déjà commencé avec sa civilisation là-bas. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est parti en avant avec un plan bidon. Alléluia. Amen. Dans le début et la fin de la dispensation des gentils, le prophète de Dieu dit comme ça au paragraphe 56.
Il dit, remarquez ensuite, au milieu de tout cela, Daniel vit la statue. Jusqu'au moment où une pierre se détacha de la montagne, se détachant sans le secours d'aucune main. Et roula vers la statue et la brisa. Et la rendit comme la paille. Qui s'échappe d'une RDT et qu'emporte le vent. Et cette pierre devient une grande montagne qui couvrit toute la terre et la mer. Il dit, c'était la venue du Seigneur Jésus qui est maintenant imminente. Alléluia. Amen. Mais Jésus, Kasi Yesu, quand lui a commencé sa construction, comment il a commencé? Mais il avait déjà son plan. Asira, que je vous ai montré ici au départ. Le prophète dit comme ça dans Dieu dévoilé. Paragraphe 88. Il dit ceci. Abiboye. Dieu, Zambi, qui s'est formé dans un homme appelé un prophète, il dit, la parole de cet homme n'aura pas cette action-là. Vous voyez ce que je veux dire? Elle ne peut pas avoir une action pareille. Mais potentiellement, c'était Dieu. Pourquoi les prophètes sont venus avec des miracles? C'est parce que vous deviez comprendre que c'est Dieu qui opérait au travers de ces gens-là. Aujourd'hui, pourquoi Dieu est venu? Au travers de notre pasteur, avec des miracles et des grands prodiges. C'est pour que vous puissiez comprendre que nous avons Dieu. Comment pouvez-vous accepter que les gens vous disent que vous n'avez pas Dieu? Nous avons Dieu. Et on nous a prêché le carrefour de temps ici. Et nous voyons ce que Dieu fait toujours dans chaque contour de temps. Nous avons Dieu. N'acceptez plus les charlatans. Jésus-Christ n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même. Je saute beaucoup de choses. Je ne sais pas. Je vous avais dit que je ne saurais pas terminer. Je m'arrête à la moitié de tout ce que je pouvais dire. Mais écoutez ce que le prophète dit. Je suis en train de terminer presque. Oh mon Dieu. Oh, nzambe nangai. Ici, je suis dans Zacharie. D'ailleurs, dans Zacharie, quand Dieu se met en action. Alléluia. Amen. Quand Dieu se met en action. Dieu veut commencer son œuvre. La première question qu'il pose. Je ne peux pas tout lire. Il dit. C'est dans Zacharie 4. Zacharie vous pouvez lire 1 à 10. Satan a élevé sa construction, sa civilisation, son monde, sa montagne. Alors Dieu vient. Il dit, il pose la question. Qui es-tu? Grande montagne. Devant Zorobabel. L'Éternel dit, Yahweh Alobi, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Difficile. Mais Dieu observe tout ce que l'homme fait. Toutes les réalisations humaines. Et il vous pose la question. Qui est-ce que tu es? Devant la main de l'Éternel. Ici Zorobabel. C'était le gouverneur de Juda. Au moment où le temple de Jérusalem devait être reconstruit. C'est lui qui devait poser la fondation. Mais il y avait là des constructeurs qui avaient placé comme les Néhémie, les autres et tous les autres. Alléluia. Alléluia.
Avant que Dieu ne commence sa construction, il commence d'abord au part. Constater que toute la construction du diable n'est que vanité. C'est pas la vérité. C'est ce que l'honorable Carlos avait dit ici l'autre fois. Il a dit Salomon a fait tout ce qu'il voulait. Et il a dit tout est vanité. C'est pas la vérité. Mais quand Jésus Christ est venu, parce que c'est lui la pierre qui se détache de la montagne, il fait son travail, il dit que tout est accompli. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, Sikawa, message de grâce. Sangonangolu, paragraphe 49. Écoutez ce que dit le prophète. Et quand nous lisons plus loin, nous découvrons que Dieu a dit, les mains de Zorobabel ont posé la fondation. Il posera aussi la pierre de fête. J'aimerais que vous remarquiez qu'il n'a jamais dit il posera la pierre de l'angle. Il posera la pierre de fête. 50. Et nous savons que les Écritures déclarent que Jésus est la pierre principale de l'angle et qu'il est aussi la pierre de fête. Écoutez le prophète. Il dit, si nous réfléchissons quelques instants, c'est le septième messager de l'église qui devrait ramener la foi des enfants au Père. En d'autres termes, reconstruire l'église par la puissance de l'Esprit. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon Esprit, dit l'Éternel. Ce n'est ni par l'organisation ni par la dénomination, mais par le Saint-Esprit que Dieu rétablira l'église dans les derniers jours. Est-ce que vous avez compris cela? Est-ce que vous avez compris cela? C'est de la terre au ciel, le plan entier de la rédemption, parce que je suis obligé d'arrêter là. Mais nous avons réfléchi ensemble. Le diable est parti sans message, sans comprendre qui est le centre de la création. Mais quand maintenant Jésus-Christ vient, j'ai pas lu ça là-bas. Quand Jésus vient, donc pourquoi ça devait être le berger? Le prophète dit, remarquez. Maintenant, quand il y a maintenant une nouvelle création qui vient, le ciel tout entier est dans la joie. Le ciel est en train de crier. Le ciel est en train de chanter. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle création sur la terre. Mais j'ai arrêté. Je ne peux pas développer ça. Je vous ai amené jusqu'au temps de la fin. Quand nous sommes arrivés au temps de la fin, là où nous avons lu qu'il gira, qu'il n'y a plus de délai. Pourquoi? Parce que une nouvelle création a pris lieu. C'est quelque chose que nous verrons plus tard. L'église des dieux vivants, la construction du Dieu vivant, elle n'est pas construite sous le principe des réalisations humaines. Ce n'est pas par l'intelligence, c'est par le Saint-Esprit. C'est une église puissante. Alléluia. Amen. Dis-moi pour vous aujourd'hui, dans
Dans ce que nous avons eu jusque-là, je comprends que Satan ne peut plus vous embrouiller. Parce que vous êtes les grands frères de Satan. Satan est votre petit frère. Il est venu après. Parce que vous, vous êtes le maître. Satan est votre serviteur. Il était là pour vous servir. Mais maintenant, il commence à servir le monde en désordre. Ça doit vous rendre très fort. Mais un jour viendra où nous allons apprendre cette église spirituelle qui est fondée dans le Nouveau Testament, la construction de Dieu. Comment elle commence? Dis-moi, nous l'avons vu dans le tableau que je vous ai montré ici. Nous l'avons vu. C'est ici, dans ce tableau. C'est tableau 2. Si on peut encore relancer le tableau 2 là-bas, vous voyez, nous sommes dans les sept âges de l'église. Vous allez remarquer que c'est là où la Jésus commence sa construction à lui. Mais difficile de développer ça aujourd'hui. Mais j'espère que vous avez compris quelque chose dans ce que nous avons dit. Qui a compris quelque chose? Qui peut applaudir le Seigneur pour cela? Je m'arrête là. Et on se verra plus tard. Si le Seigneur le permet. Que Dieu bénisse son serviteur, notre patriarche, le pasteur Barouti. Priez pour lui toujours. Même si les combats font rage, nous, nous allons vaincre avec lui. Amen. Amen. Merci. Les acclamations au Seigneur Jésus-Christ. Le plan entier de la rédemption. Lèvons-nous, nous allons adorer le Seigneur. Et la mort à la vie, de la déchéance à la gloire. Dieu a un plan. Un plan de la rédemption. Parce que c'était un projet mais que le diable avait renversé. Et quand on dit rédemption, le rachat est là-dedans. Donc Dieu devait racheter maintenant l'humanité pour nous ramener à ce que nous étions avant. L'homme avait le droit à la vie éternelle. L'homme avait la puissance sur la nature. Il pouvait marcher sur l'eau. Il pouvait prononcer la parole. Et ça avait de l'effet. Mais quand le diable est descendu sur la terre, la Bible dit malheur à la terre. Parce que le diable a été précipité là-bas. Quand le diable est arrivé, il a renversé le chef-d'œuvre de Dieu. Le programme de Dieu par la connaissance, par la sagesse humaine, par des réalisations en dehors de la parole de Dieu. Et il s'est mis à créer un royaume à sa manière, en commençant par la tête pour finir aux pieds. Mais le plan de Dieu est tout autre. Dieu commence par les pieds pour arriver à la tête de la justification, de la sanctification, du baptême du Saint-Esprit jusqu'à la pierre des fêtes. Voilà les plans que Dieu veut. C'est comme ça qu'il restaure l'homme. Il restaure son église. Voilà pour amener l'homme à la statue de l'homme parfait. L'homme retrouvera sa puissance. L'homme retrouvera le droit à la vie éternelle. Et l'homme ira vivre dans la gloire. Mais le royaume de Satan a été détruit. Depuis sa tête, Nabucodonosor, les maîtres et pères, ils ont échoué. On n'entend même plus parler de ces royaumes. Les royaumes des Grecs, Grèce, avec Alexandre le Grand, on n'en entend même plus parler. Et Rome. Bon, c'est déjà fragile. Ils ont pété. Et au pied avec tous les dictateurs là. Tout cela, ça va tomber. Et l'homme cherche un peu dans la politique. Ça, c'est le diable. Pour essayer de créer
un royaume. Il essaie avec la démocratie. Ça ne marche pas. Avec la dictature. Ça ne marchera pas. Et maintenant, c'est le temps de Christ. Parce qu'il a envoyé la parole. Amen, amen, amen. Amen. Le plan de Dieu pour restaurer ce que Adam avait perdu à l'Éden. Aujourd'hui, nous avons la parole parfaite qui rétablit le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est en vous. Le baptême du Saint-Esprit. Dieu recrée son corps. Le corps mystique de Jésus-Christ dans le plan parfait.